À la fin du mois, tu laisses ta place. Que ressens-tu après 42 ans de potier? Je sais pas, c'était une chose assez bizarre. Parce qu'il me semble que j'ai fait un petit peu tout le tour de la terre, alors que je n'ai pas bougé de place. Mais j'ai peut-être tourné autour du pot, souvent. Mais en fait, je suis arrivé à faire tourner mes pots entre mes mains. Une chose aussi que je peux dire, peut-être, c'est que 42 ans, j'ai l'impression de rien connaître et que j'ai tout à apprendre. Alors, est-ce qu'il me faudrait une deuxième vie, une troisième vie, peut-être? Je crois que dans ces métiers-là, les métiers manuels, on ne maîtrise rien du tout. J'avais l'impression que j'étais capable de faire tourner la terre. Du moins, j'ai essayé de bien la faire tourner. Je ne sais pas si elle tourne bien aujourd'hui. Mais j'espère, en finalité, de ne pas avoir mal tourné moi-même. Métier de potier, pourquoi pas. Un métier agréable à la fois. Et pourtant, elle tourne. Et il y en a un qui est mort en disant ça. Et personne n'a voulu le croire. Et bien voilà, nous l'avons. C'est tout à fait réel. Et pourtant, elle tourne. Et la terre tourne. Alors, ce que je peux aussi rajouter, c'est que c'est vrai qu'on fait partie de générations de terriens. Mon père a travaillé la terre. Un honnête vigneron, viticulteur. Mais lui, il avait un problème, c'est qu'il était obligé de se baisser pour la travailler. Alors que moi, justement, ce que je peux faire, c'est que moi, je la fais monter, la terre. Donc d'une génération à l'autre, je trouve qu'on devient de plus en plus intelligent.
quoi, une chose que l'on peut dire, quand c'est rond, il n'y a pas deux fois d'être rond. Il n'y a qu'une seule façon d'être rond. Ouais, qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai. Est-ce qu'on peut imaginer que cette pièce elle aurait pu être faite sur un autre tour, sur un tour comme ça? Le rond, est un rond, c'est quelque chose de parfait. Sauf les mains, elles sont peut-être pas tout à fait parfaites. De toute manière, on est en recherche de perfection en permanence. Et la perfection, est-ce qu'on va la trouver un jour? Ben, je ne pense pas. Mais justement, il ne faut pas l'avoir, sinon il n'y aurait plus de progrès à faire. Ben voilà. Justement. La perfection n'est pas de ce monde. Mais il ne faut pas qu'elle le soit, sinon il n'y aurait plus de progrès. Il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de progrès, il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'intérêt. Et l'originalité, justement. Si la perfection, s'il y avait la perfection, tout le monde serait pareil. Complètement. Ah oui, c'est vrai, en plus. Quelle monotonie. Voilà. Bon, alors. Est-ce qu'on pourrait imaginer que cette pièce aurait pu être faite avec un autre tour? On ne peut pas l'imaginer. C'est vrai que le tour, c'est un rond dans lequel on n'arrive jamais à en voir la fin. Comment as-tu évolué dans ton métier, ou plutôt, comment as-tu fait évoluer le métier? Bon alors, je n'aurais pas la prétention de dire que j'ai fait évoluer le métier. Je crois que nous faisons que reprendre des gestes qui sont très anciens. Mais bon, on est à l'origine même d'un métier comme celui-là, le métier de potier. C'est les définitions qu'on va trouver dans les dictionnaires. Le potier, c'est un fabricant de vaisselle. Donc c'était une noble tâche qu'il avait à faire à l'origine, puisque c'était toute la vaisselle dont avaient besoin les individus pour pouvoir avoir un confort pour la nourriture. Et on a commencé par des choses élémentaires. Bon, on ne connaissait pas l'assiette, mais on l'a créée. On a fait aussi des objets dont on avait besoin. Notamment, c'est que nos ancêtres ont quand même imaginé des objets alors qu'ils ne savaient pas ce qu'ils pouvaient faire avec, mais on va se remettre dans le contexte de l'époque. Imaginons comme notre ami là de l'homme de Néandertal de la chapelle au sein, qui se promenant dans le pays par des journées chaudes comme aujourd'hui, ben, il avait soif. Et bien, la seule façon pour lui de pouvoir boire, c'est que quand il arrivait près d'un ruisseau, avec ses mains il attrapait de l'eau et il buvait dans le creux de ses mains. Et bien il a eu l'idée un jour de tapisser le fond de ses mains avec de l'argile. Ben c'est comme ça qu'est né le premier bol. Alors voilà comment on a créé tous ces objets. Il est vrai qu'aujourd'hui, on ne va pas dire que les potiers sont uniquement des créateurs de vaisselle, mais le potier par lui-même, ou la définition du métier d'artisan, potier, c'est à la fois de faire ce que les gens ont besoin. Donc le client peut être aussi un créateur. Il va utiliser les mains du potier pour pouvoir justement réaliser ce que lui là a dans sa tête ou dans son imagination. Alors, par exemple, l'assiette, ben, c'était fait de cette façon-là. On faisait d'abord une petite plaque de terre que l'on ensuite on arrangeait en faisant un petit rebord pour pas que ça déborde. Ce qui était tout à fait normal. Et bien sûr, les liquides étaient quand même aussi précieux pour pouvoir se nourrir, ce qui fait que dans ces cas-là, on faisait des assiettes qui étaient un petit peu plus élevées et qui avaient souvent cette forme-là, ce qu'on a appelé l'assiette calotte. D'ailleurs, encore on l'utilise souvent, puisqu'ici dans nos pays nous avons des traditions culinaires, nous sommes des mangeurs de soupe, et que quand on mangeait la soupe, on mangeait à la fois le pain qu'il y avait dedans et les légumes, et dans le fond de l'assiette il restait du bouillon. Eh bien, les gens rajoutent un petit peu de vin pour agrémenter tout ça. C'est pour ça qu'on a mené l'assiette au bord de ses lèvres pour pouvoir déguster le bon breuvage qu'il y avait, qu'on appelle le chabrol. Le chabrol, ça dépend des régions. Alors, ce qui fait que les objets comme ça, à travers le temps, ont évolué. Bon, il est certain qu'on peut faire encore d'autres objets. Là, peut-être je vais m'avancer quand je vais dire que j'ai fait un bol. J'allais dire plutôt un saladier. C'est vrai que ça peut ressembler à un saladier.
Mais des grands bols comme ça ont existé, parce que les, au niveau, disons, alimentation, aujourd'hui, quand on déjeune, et pour les jeunes générations, déjeune dans des tasses à café avec des toasts dedans, alors qu'à l'époque, ben, on achetait le pain pour toute la semaine, et quand il était un peu dur, en fin de semaine, ben, ma foi, on ne jetait pas un seul morceau de pain, parce que c'était un sacrilège. Le pain se gagnait à la sueur de son front, d'ailleurs. Eh bien, on prenait des morceaux de pain dur et on les trempait dans des bols de cette dimension pour pouvoir justement consommer tous ces pains. Alors l'évolution, ben, s'est faite malgré nous, puisque le métier de potier, pour qu'il existe ou continue à exister, mais il a fallu que le potier par lui-même se remette en question. C'est-à-dire que si aujourd'hui on prétendait uniquement être des potiers et avoir que l'appellation fabricant de vaisselle, il y a un moment qu'on n'existerait plus. Ce qu'il y a, c'est que la remise en question s'est faite par des besoins indispensables à notre environnement, c'est-à-dire à la fois de faire des objets de décoration, mais aussi des objets d'ornementation. Et on peut parler à la fois des objets de décoration en parlant de faïence et des faïences décorées, et qui ont fait le renom d'un petit peu de la France, surtout à l'époque, au XVIIIe siècle, quand les porcelaines sont rentrées de Chine. Eh bien, les faïenciers se sont mis à faire des faïences qui pouvaient ressembler, en apparence, à des porcelaines décorées, mais qui n'étaient uniquement que des terres émaillées et décorées, avec les mêmes techniques que pouvaient faire les Chinois. Voilà, donc un début. Et puis ensuite, ben, il y a eu tout un tas d'objets que l'on peut encore trouver ici dans l'atelier, puisque ici nous fabriquons ces objets-là. Ce sont les épis de fêtage, ou ce qu'on appelle aussi poinçons, voire même, je vais dire, girouettes. Et tout ça, ça se met sur le toit. Alors ces poinçons, ma foi, ils avaient une utilité à la base. Ces poinçons, on peut en voir, il y en a là-devant, il y en a ailleurs. Les poinçons ben, servaient à protéger une partie de la charpente, c'est-à-dire la partie du poinçon, c'est-à-dire la partie la plus haute de l'édifice, qui était en réalité couverte par la toiture, mais le poinçon ressortait de la toiture. Et pour éviter que le morceau de bois pourrisse, un peu comme aujourd'hui on pourrait le faire pour les arbres fruitiers quand on coupe une branche, pour éviter qu'ils pourrissent, eh bien on y retourne, enfin avant on y retournait une boîte de conserve dessus, ben, aujourd'hui on met des cicatrisants, et bien avant on mettait cette boîte de conserve qui était une protection de la branche et d'éviter qu'elle pourrisse. D'ailleurs les anciens ils avaient une formule qui était tout à fait agréable à entendre, c'est que ils vous disaient, tu vois petit, eh bien la boîte là, quand elle tombera, l'arbre sera guéri. Se mouillait pas beaucoup. S'il n'était pas tombé avant l'arbre, c'est que vraiment, il ne veut pas mourir. Alors ça, ce sont des objets qui ont été réalisés. Alors bien entendu, au départ, on a utilisé des pots ben, qui faisaient partie de l'environnement traditionnel. Et souvent, comme ils étaient fêlés et qu'on ne pouvait pas transporter de l'eau avec, et bien leur donner une deuxième vie en les mettant à la pointe du toit. Ils étaient fêlés, mais ma foi, ils protégeaient quand même le morceau de bois. Hein. Ce qui n'était quand même pas mal. Et aujourd'hui, bien sûr, ces objets ont tellement évolué que les notables du village ben, ne voulaient pas avoir un vulgaire pot posé sur leur belle demeure. Ils ont demandé aux potiers d'élaborer des objets qui pouvaient leur ressembler. Tellement qu'il y a eu même des personnages qui ont été faits en terre et qui ont trôné à la pointe des toits. Et donc on y faisait passer à travers l'objet ses convictions à la fois politiques, religieuses, prospérité familiale, réussite sociale, tout ce que vous voulez. C'est vrai que le religieux a eu beaucoup d'impact sur ces objets, puisqu'on va retrouver des croix sur certains, on va retrouver la colombe qui vient du religieux d'ailleurs, puisque la colombe faisait partie de l'arche de Noé. C'est cet oiseau que l'on montre toujours
au-dessus de la petite maison qui est à l'intérieur de l'embarcation. Et cette colombe, eh bien, tient un rameau d'olivier dans son bec. C'était en fait pour dire à Noé que la terre était proche, qu'il fallait, qu'il pouvait donc se rassurer. Et c'est devenu le symbole de la paix. Et voilà comment on est arrivé à faire ces pots et qu'aujourd'hui, ben, on n'arrêtera pas les choses puisque le progrès étant, mais les besoins au niveau d'environnement sont toujours les mêmes, où le plaisir de l'œil est toujours là, et la magie aussi du métier. Et voilà, les roues ont arrêté, se sont arrêtées de tourner. Et maintenant, l'avenir? À l'avenir? Ah, à l'avenir, ben maintenant, je crois que, effectivement, je vais peut-être trouver d'autres solutions. D'abord, prendre du temps pour moi, oui. C'est bien de pouvoir prendre son temps. Je ne suis pas contraint de suivre le mouvement de la Terre en permanence, c'est-à-dire tourner 24 heures sur 24. Mais bon, peut-être des activités complémentaires qui viendront se joindre à celles que je fais jusqu'à présent. Quelques idées comme, bon, pourquoi pas faire des stages de poterie, ce serait bien. Ça permet d'avoir un contact toujours avec, avec la matière, avec les gens, un contact sympathique. Mais il y a d'autres choses, hein. J'aime bien aussi parler, donc il y a mon côté radio qui va me permettre de pouvoir faire passer quelques messages à travers les ondes hertziennes, ce qui permettra peut-être d'enfoncer quelques clous, ou peut-être d'irriter certaines personnes. Bon, je crois qu'il ne faut pas trop calculer, mais il y a plein de choses que l'on peut faire dans la vie en complément. On va pas dire qu'on va mourir tout de suite, j'espère. Bon. Mais faire aussi quelques activités sportives, je veux dire. Peut-être aussi, ben, l'esprit du voyage ne m'est pas tout à fait indifférent. Au contraire, je trouve que c'est bien. Même voyager à travers la Terre, justement, tout autour de la Terre, pour pouvoir rencontrer des gens qui font peut-être des métiers analogues aux miens, ou peut-être les mêmes métiers. Les artisans, ceux qui savent œuvrer avec leurs mains, ça c'est bien.